Meghan Markle a été accusée d'avoir pris la vie royale pour acquise après avoir grandi à Hollywood, car ses plans futurs et ceux du prince Harry pourraient être une recette pour un désastre. Meghan Markle and Prince Harry's departure from the royal family has sparked questions over whether the royal couple will return or become Hollywood celebrities. PR expert Lida Citroën has claimed that the celebrity route is more natural for Meghan but not a comfortable for Harry. Speaking on Us Weekly's Royally Us, Ms. Citroën said, I think what was interesting in Tina Brown's book is, I think there is this idea that Meghan grew up in celebrity. Lorsque vous grandissez dans la célébrité, il y a beaucoup de choses que vous tenez pour acquises et qui semblent être en place dans une institution royale, mais ce n'est pas la même chose. La responsabilité, la loyauté, le protocole est différent. Point cela lui semblerait probablement plus naturel et je suppose qu'elle veut la célébrité. Il y a beaucoup de risques qui viennent avec cela, il y a beaucoup de paysages perfides. Je pense que CST peut être quelque chose avec lequel Harry n'est pas aussi à l'aise parce qu'il a grandi dans une culture très différente qui est la culture de l'institution. Je pouvais les voir presque tirer dans des directions différentes. Meghan devient célèbre et Harry ressent toujours le confort de l'institution mais est toujours attiré par la liberté de la célébrité. L'animatrice Christina Garibaldi a ajouté, j'ai l'impression que cela pourrait être une recette pour un désastre, mais j'espère que non. Point cela survient alors que l'émission animée de Meghan sur une jeune fille a été abandonnée par Netflix. Et Well Production Show Pearl, l'un des deux projets annoncés dans le cadre de l'accord Netflix de Harry et Meghan, devait se concentrer sur les aventures d'une fille de 12 ans inspirée par des femmes influentes de l'histoire. Meghan devait être productrice exécutive de la série aux côtés de David Furnish, cinéaste et mari de Sir Elton John, selon une annonce publiée sur le site internet d'Archewell en juillet dernier. Pearl a été supprimée par Netflix dans le cadre des décisions stratégiques que le géant du streaming prend autour des séries animées. Il est entendu que Netflix a décidé de ne pas poursuivre le développement de plusieurs projets, dont Pearl. On pense que cela n'est pas rare pour le développement, et Netflix a récemment décidé de ne pas aller de l'avant avec d'autres séries animées. Harry et Meghan ont signé un accord de plusieurs millions de livres avec Netflix en 2020. La nouvelle de l'abandon de Pearl survient après qu'il est apparu que Netflix avait perdu 200 000 utilisateurs au cours des trois premiers mois de 2022. Bien en deçà des prévisions selon lesquelles il ajouterait 2,5 millions d'abonnés.